Ah, j'étais allée à la poste. Il y a un problème? Non, non. Il n'y a pas de C'est problème. tout juste pour te dire que j'ai trouvé du job à ton mari. C'est pas vrai. Il voyageait. Je ne sais même pas comment dire que je suis contente. Avec ce job qu'on a cherché dans ce pays, et elle est à l'extérieur Surtout à encore. l'extérieur. C'est pas Dis-lui de vrai. s'apprêter, de préparer Donc sa il doit valise. voyager. Dis-lui de voyager. C'est Ah, en journée. encore. Moi, journée, Et tu n'a peux pas. chercher. Depuis que tu es quoi, le nom? Et il y a mon grand dîner. Ah, il y a Maman, depuis que vous commentez, maintenant, il y a un homme. Ce qui est sûr, je vais annoncer cette nouvelle. Je sais que ça, c'est une grande nouvelle pour ma famille. Surtout ma belle-mère et mon mari. Ils seront très contents. Je ne manquerai pas de jurer ici. D'accord. Il faut le rappeler. Bon, ah, merci beaucoup. salue-le-moi. D'accord. Non, 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 il n'y a pas à souhaiter. Elle m'a demandé une minute comme. Non, ça n'a pas de problème. Je vais te donner.
donner l'argent. Oui, maman. Bien sûr. Oui. Bonsoir. C'était toi? Bien sûr. À moi, à Goupéré. Hein? Toi, tu ne peux pas arriver à la maison me salir. À bien, on est. Tu oublies vite. À moi, de vigne, tu es bien à zona vite. Oui. Bien, donc, badou, mon tour, ni galop, qu'elle est. À garder à zona vite. Oui. Hein? Bah, il y a mes tours, ma paix. Bah, mon mère, dis-moi, la bonsoir. À Goutro. Maman, miwa. Et t'as quoi si ouais? Des midi à zone vie et ton ouais minant quoi? Allô, dis bonjour Zouzou y'a quoi? Et t'as dit que maoumi, car il est bien à zone. Nen bato maintenant. Il est bien à zone. Mais nous quoi dire quoi tcha? Attention. Il est bien à zone. On a pris va. Non, vie mito est bien à zone là. Ne il est dit maoumi. Imbécilage mirage. Non, n'a ben doué. Con par les cons. N'yawa deux fois c'est pas bon. Salopadra. C'est ça. Animal et sacal. Atomada sike. Mais comme quoi tiens? Mais suru. D'accord. Mais on a bail. Elle a porté à me. On ne suit pas tout le monde en chemin. Elle est malade, je te dis. Tiako est un des soins. Ça va. Gardien, elle va t'arroser. Garçon, l'olé. Mais bon, les garçons, les pauvres, nous. Vous êtes bien, vous êtes bon. Elle a beau voir, mais mes pauvres, elle est. Regardez les fenêtres, mes pauvres, mes pauvres, mes pauvres, mes pauvres, mes pauvres, mes pauvres, mes pauvres. Mais elle est loin du grand homme, mais moi je ne sais pas. Regardez les fenêtres. Nous sommes loin encore, on peut me faire des manières. J'en ai marre de te garder. Vraiment. Mais tout là, chez vous, pour construire son métier, c'est mieux. Bonjour. Ah, Asumoto. Chérie Coco. Nous voulons me faire. Ça va? Marie Toro. Ça va, ça va. Regardez dans ce bassin. Tu as pensé à moi, c'est bon.
sûrement les enfants ont fait perdre ma clé. Je cherche la clé de la moi, depuis je ne trouve pas. Hein? Laisse ça. Laisse la clé. Tu vois là qu'il est. Oui, c'est vrai qu'il est à moins de 15. Je suis presque en retard. Mais il faut faire la cuisine, tout ça. J'ai beaucoup à faire encore. Hey, il ne faut pas jouer avec le boulot. Hein. Va te préparer pour partir. Moi, je vais m'occuper de tout. Vraiment, je suis très heureux. Je ne sais pas comment. Vous êtes à mes petits soins. Dans cette maison, je suis plus qu'un enfant. Hein? Vous êtes comme ma mère. Je ne sais pas comment vous dire merci. Comme ma mère? Hein? Mais tiens, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas comment je vous aime tellement. Va te préparer. Vite, hein? Thank you.
dit ça aussi, hein. Moi, je cherchais des cuisiniers là. C'est ici qu'ils ont mis ça. Ma choupette est là. J'y vais. Oui. C'est quoi, tu l'as toujours en route? Non. Ça va? J'ai appris que André est malade. André est malade? Oui, André est malade, il n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'il a eu? Je ne sais pas, il est à l'hôpital. Tu l'as pas appelé? Non, pas encore. Je l'ai appelé tout à l'heure. Ah, oh. C'est quoi? D'abord, là, n'est pas arrivé. Non, non, elle n'est pas arrivée. Mais cette fille, elle a quoi au juste? Moi, je ne comprends pas. Je ne la comprends pas. Elle m'a dit deux jours seulement qu'elle y a fait deux jours au village. Est-ce qu'elle m'a dit avant de quitter ici? Oh, tu peut-être qu'elle est fatiguée. Hé, hey, Madame Guillaume. Madame Guillaume, elle est sortie très tôt aujourd'hui. Oui, elle est sortie. Village, oui. Maman est dedans? Maman, non. Maman aussi est sortie. Bien sûr, elle est sortie. Oui, écoute-moi un chiffon, je vais t'aider. D'accord. Tiens, tiens, ça va. Peut-être que je cherchais depuis hier là. Ah, tu as vu ça? Mais qui a mis ça là? Moi, je sais pas. C'est tellement de Guillaume. Oh. Mais on s'est vu hier quand même. Ça m'a étonné. Hein? Ou bien il a fait un accident. Je ne comprends pas. Hein? Oh, André, vraiment. Guillaume n'est pas encore entré. Je ne l'ai pas vu. Ah, je ne l'ai pas vu. Je crois que la vie est pleine, chérie. Ok, tu arrives. Oh, maman. Tu vois, non? Pour elle,
tu m'as déjà botanisé. Tu m'as drogué quoi. Ah, c'est comme ça. Sinon, ça ne fait pas. Oh, vraiment. Vous êtes encore en arrière. Vraiment. Moi, je croyais qu'elle avait eu un accident. Rien. Chérie, pour moi, il n'y a pas de problème. Si on finit là, qu'est-ce qu'il reste encore? Je vais me préparer avec toi. Oh non, c'est très gentil. Va te reposer, je vais préparer d'aller et tout. Je vais passer au salon. Ok, d'accord. Tu fais vite. Il n'y a pas de problème. Tu as merci bébé. Depuis 14 ans que je suis dans cette maison, je n'ai même pas eu une minute de paix. Quand est-ce que cela finira? Toujours c'est le problème de la belle-mère. Toujours c'est le problème de la belle-mère. Ah, ma belle-mère. Et quand est-ce que ça finira? Mon mari m'aime, je sais bien que Guillaume m'aime. Mais ça ne suffit pas. Hein? Que faire? Oh, la belle mère. Mais tu es quoi? Mais Gilles, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fâches? Hein? Ton gars là, il ne sait pas que tu es avec ton mari. Mais Gilles, il est de là-bas aussi, il est un Congolais comme moi. De là-bas, la femme marche pas avec moi. Quand on soit avec moi, là, on va se couler. Tu as compris? Gilles. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Ça veut dire quoi ça là? Désormais, tu n'iras pas en boîte avec moi. Ah. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, bon. Ça va? Ça va. Anita, oui, ma chérie. À 2h30, c'est tu n'as pas sommeil? Non, j'ai l'insomnie. Tu as pris le médicament? Non, mais c'est arrivé comme ça. Arrivé comme ça? Il n'a pas eu de temps. Oui. Ma chérie, arrivé comme ça, je n'ai pas compris. Parce qu'il y a mon dos arrivé comme ça. C'est chaud, juste à l'heure. Anita, qu'est-ce qui se passe? Anita, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le problème de notre belle-mère. C'est à cause de notre belle-mère là que toi tu ne dors pas. Qu'est-ce que tu veux, hein? Ce problème-là, ça devient trop... Anita? Oui. Donc, ce que j'ai à te demander là, ton mari t'aime? Il m'aime plus que tout. Guillaume m'aime trop. Quel est ton problème? Mais ça ne suffit pas. Je vis avec la belle-mère. Ça ne suffit pas. Hein? Heureusement pour toi que tu ne comprends pas notre langue. Sinon... Ça, tu as raison. Hein? Si je comprenais votre dialecte là... Elle va savoir qu'elle a une belle fille dans cette maison aussi. Ah, heureusement, on a la chance parce que moi, comment tu sais, je n'aime pas les histoires. Mais elle a déjà fait son temps, non? Hein? Elle n'a qu'à nous laisser nous faire notre temps aussi. Oh, elle est âgée. C'est ça qui me donne l'insomnie. C'est ça qui te donne l'insomnie. Hé, hey, Anita, va rejoindre ton mari dans le lit. À cause d'une belle-mère. Toi, tu laisses ton mari dans le lit, tu viens t'asseoir ici, tu ne dors pas. Elle n'a qu'à essayer avec moi dans cette maison. Elle va voir. Maman, 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 ma
partir là, t'as déjà vu tes dollars, mais.
trouves mon miroir, tu trouves mon miroir, miroir, miroir. Waouh, on est jamais. Hein? Tu as compris? Hein, Kofi? Maman, on m'a tout magané au bébé. Je vais me garer. Allô? Docteur, il a examiné, il a fait un peu de temps.